C'est quoi ce bâtiment? Putain. Salut, salut, c'est Jack et White. Hello. On est de retour sur Scrap Mechanic. Oh yeah. Encore un épisode sur la map. Et comme vous pouvez le voir d'assez loin, j'ai fait deux petits bâtiments assez sympathiques. Enfin, minuscules. Ouais, trop petits pour être vrai. Il y a une fusée, Jack. Ouais. Parce que moi j'avais pas encore vu, hein, je viens de débarquer là. Après une semaine de boulot intensif, posons le moustique. Impeccable. Les réacteurs restent en route, c'est normal. Ah. Attends. Voilà. Voilà, comme ça ils sont... Je connais tellement pas les lieux que j'ai l'impression que t'as déplacé des bâtiments. Quoi. Ouais, effectivement. Ah oui, tu les as déplacés. Ouais, je les ai déplacés, ouais. Tiens, ouais, ils étaient de l'autre côté avant. Ouais, ils étaient là-bas, et puis je les ai mis ici. Et puis après, j'ai fait la tour de Control. Ouais, c'est alors, vrai qu'on s'est déplacé. Je te présente le bâtiment le plus connu de la NASA. Le Kennedy Space Center. Donc, ah. C'est... En fait, c'est là que tout est fait, tout est fabriqué, toutes les fusées, tous ceux qui ont été construites durant toutes les années, depuis 1900, je sais plus combien, eh ben, c'est là-dedans que ça se passe, quoi. Attends, ça me donne une idée. Ouais. Ça, c'est le bâtiment Kennedy Space Center. Ouais. On pourrait avoir un autre beau bâtiment comme celui qui est là-bas, qui serait le Obama Space Center. Et puis, tu fais une espèce de petite merde de... Allez, de 2 mètres carrés à la fin avec une porte en bois, ça c'est le Trump Space Center. En hommage. En hommage, ouais. Au guignol. C'est pas con. Bon. Bon. Alors, je vais te montrer l'intérieur. Bon, je vais t'avouer, il y a pas grand chose. Okay. T'as besoin de ton agrafeuse ? Ouais. Parce que c'est électrifié alors. Pas à l'aise avec ça. Wow. Excellent. Bon, après, l'extérieur est magnifique, hein. L'intérieur, ça demandera un peu de temps. Ouais, c'est ça qui demande le plus de temps, c'est l'intérieur, quoi. Mais bon. Alors, le 13. Je me suis dit, bah, je vais t'avouer, c'est pas moi qui l'ai fait. Ah non, ça prend du temps à faire ça. Ouais. Donc j'ai chopé ça sur le workshop et je me suis dit putain, ce serait bien, je le mette dans le hangar comme si on était en train de le construire, tu vois. Putain, pourquoi j'ai l'accent marseillais, putain. Je sais pas, ça peut être à cause de la navette. Ah. Celui-là malheureusement il ne vole pas, enfin pas à ma connaissance. Non mais nous on va le faire voler. Ouais. Pourquoi pas. Tu vois que le mec il a vraiment utilisé des pots de fleurs pour faire les réacteurs. Hein. Ah ouais quand même. Un réacteur avec une petite pousse. Mais alors qu'il y a des réacteurs dans le jeu. Ouais. Bien foutu quand même. Le mec ça de la gueule. Il s'est quand même cassé le cul à faire la forme exacte. Oh, putain j'ai un SMS. C'est pas grave. Ah. Alors, à côté de ça, ben, j'ai fait aussi un petit hangar avec tout ce qui est administration et pièces qu'on aurait besoin pour fabriquer une fusée. Hein, il y a quelques boîtes, comme tu peux voir. Un peu comme chez Auto 5. Ouais, voilà, exactement. la porte ici, elle est fermée et elle restera fermée parce que les voleurs, hein, tu sais. Ouais, je sais. Molenbeek et tout, hein, tu vois. Oh. Attends parce que j'arrive pas à trouver la sortie. Ouais, c'est par ici. Donc, bah voilà, j'ai quand même... Enfin, celui-là, ce bâtiment, j'ai quand même mis 5 heures à le fabriquer. Ok. Attends, j'ai juste un truc à te dire. Ouais. Mais on est en direct ? Ouais. Okay. C'est pas grave. C'est pas moi, je précise. Non, non. Tout gêné, c'est pas moi, je précise. Il y a un écho pareil dans mon bureau, j'ai des questions à me poser. Allez, on referme la porte. Ah bah c'est un peu comme si t'avais lâché une caisse dans ton bâtiment. T'as fait ce son là.
putain. Oh merde, putain, maintenant je revois encore le gars qui pète dans le dans l'interphone là. Ça aurait fait ce ton là hein, dans ce bâtiment, sérieux. C'est ça. Alors, pour le deuxième bâtiment, je te présente le musée BBTV. Ouh, je vois quelque chose que je connais bien là au deuxième étage, enfin au premier étage. Ouais. Ne reste pas Maguidi. Ouais, exactement. Attends, je vais. Voilà, ça c'est mieux. Waouh! Oh. C'est beau, hein? Eh, ça claque! Ouais, je me suis amusé. Voilà. Le moustique, c'est pas à nous? Non, c'est pas à nous, mais je l'ai mis parce qu'il est quand même épique. Et je me suis dit, bah, les belles constructions, bah, ça doit se laisser voir, quoi. Ouais. Dommage qu'il n'y ait pas des petits panneaux comme dans Minecraft, t'aurais mis un petit panneau avec le nom du gars qui l'a fait. Ouais, bah, j'y ai pensé. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un mode ou un truc comme ça qui permettrait, bah, c'est pas grave. Mettra son nom dans le montage. Merci à toi qui a fabriqué cette belle construction. Englishman. Je sais pas comment il s'appelle. Ah, le sablier. Le sablier, ouais. Il est encore toujours fonctionnel, donc si jamais... on se sent d'attaque, ben, on fonce dedans. On fonce dessus et on s'envole. Ah, il était fun à piloter, celui-là. Ouais. Et puis là... Les 831 000 vues. Ouais. Est-ce qu'on pourrait atteindre le million? Ça, je sais pas, mais en tout cas, bah, c'est... C'est... Ah, si tous les abonnés vont la revoir une fois par jour, il y a moyen. Ouais. Grâce à cet épisode... Enfin, grâce à cette fusée et aussi grâce à ton appartement, là, où je sais plus ce que c'était. T'avais fait une maison, une villa. Ouais, la villa piégée. Là. Ouais. C'est grâce à cet épisode-là que, bah, qu'on a quand même fait pas mal de vues et c'est ça qui nous a un peu fait monter en flèche. Ouais. On va monter à l'étage. Maintenant, il y en a d'autres. Hein. Ouais. Tout ça, ça fait des 300 000 vues, des 150 000 vues. Ouais. Le parc d'attractions aussi, White World. White World et tout, ouais. La Guinée. Ah, je trouvais que en tant que... centre spatial, ben, je me devais de mettre cet objet là. Ah ouais, parce qu'il y a des agents de chiasse. Ouais. Directement quoi. Ouais. Et celui-ci, c'était lequel encore? Oh putain, c'était la toupie ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, parce qu'il y avait aussi le saladier et tout ça. Ouais, il y avait le saladier aussi, mais celui-là je le retrouve plus. Ben, je peux regarder dehors si tu veux pour les prendre et les garder, te les sauvegarder toi. Ouais. On va regarder dehors ce que moi j'ai en stock. Ouais. Alors, j'ai une autre idée, parce que c'est quand même le musée BBTV, mais c'est aussi peut-être le musée un peu des abonnés. Donc, je me disais que si jamais les abonnés, bah, ils sont chauds pour faire de belles constructions, hein, ne sortez pas un cube avec... allez, un cube à la con, parce que ça, je prendrais pas. C'est vraiment les constructions où vous avez vraiment pris votre temps pour mettre... Pour construire, ben, on pourrait éventuellement les mettre dans ce musée. Et petit à petit, ben, on viendra voir ce que vous avez construit, on les mettra sur leur... comment on appelle ça? Un piédestal? Ouais. C'est ça. Donc voilà. Tu vas agrandir celui-là ou non, il y aura plusieurs bâtiments, quoi. Ouais, il y aura plusieurs bâtiments et celui-là, on va dire que c'est le musée BBTV. Un bâtiment plus loin, ben, ce sera le musée des abonnés. Ouais. Ne touchez pas, monsieur. J'ai croisé la porte. Ah, c'était le défaut des Guinness, ça. Ah non, ouais. Ça vise. Ouais. Attends un peu, on peut monter sur les trucs. Ouais, mais il est plus branché celui-là. Non, mais c'était pour un peu. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'amuseraient dessus et. Dangereux. Ouais. Et t'imagines si c'est encore actif et que les verrous, enfin les boulons, ils lâchent ici. Ils volent dans c'est quand même risqué. Ils volent dans le plafond, quoi. Enfin, faut que je monte sur le tablier, là. Ouais. N'empêche que ce soit. Entreposer comme ça dans un musée, ouais. Ça donne une histoire de prestige à la machine, je trouve. C'est ça. Hein. Voilà, quand je suis assis dedans, là, je me sens fier, tu vois. Ouais. Tu te sens comme du sable. Waouh. Encore du pétrole là, dedans, en fait. Engin de malheur. Oh, excellent. Tu te rappelles ça? Ah ouais, on avait inventé un truc de ouf. Con, mais fallait y penser quoi. Ouais, ça marche bien. U.
Allons chercher ce saladier. Ouais, voyons voir ici un peu ce que j'ai en stock. Alors que je mets mon ascenseur, que je regarde. Alors, je sors ce qu'il y a moyen de mettre, ce qu'il faudra mettre. Ouais. Ça. Ah. Ah ouais, le Chinook. Ah ouais. Excellent. Bon, je vais le faire tomber, comme ça tu peux te le sauvegarder. Ouais. Ah ouais, ça c'est une pièce maîtresse. Et même une pièce angulaire. Ouais. Des créations BBTV en collaboration avec le grand Mats Zeppel. L'unique Zeppel. D'où le drapeau belge et le drapeau français d'un côté et de l'autre. Je peux l'effacer? Ouais. Ah ouais. Tu veux vraiment faire un musée, hein? Ouais. Et si tu veux, j'ai ça aussi. Oh, le bateau de pirate, excellent. Ah ouais. Ah ouais, mon vieux. Ah, il est épique celui-là. Ça ici, cet épisode fait aussi un petit peu Do you remember? Ouais. Le bon vieux temps. Bateau de pirate. Ouais, il y avait des Angry Box, mais... Ouais. Angry Box, ça on en a l'appel sur le workshop. Hein. Oh! Le sablier. C'était le sablier, ça? Ouais. Ça, c'est le sablier. Attends, vas-y, on va faire un tour. Allez. Quand même qu'il y a un peu d'action dans cet épisode. Hein. Ouais. Alors, putain, je me rappelle plus. Ouais, t'as un bouton pour le haut, un bouton pour le bas, l'avancer. Attention parce que ça trace, hein. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, décollage! Et il retombe sur ses pattes, hein. On va essayer de revenir jusque là-bas. Ouais. 3. Oh merde! Ah, c'est un truc de Star Wars. Je... Oh merde, là faut lâcher. Attention. Ouais, petites inventions à la con mais qui fonctionnent quoi. Ouais. Go! Non! Non! Oui! Shit! Merde. Tu vas piloter. Hein. Ah. Ah merde. Voilà. Le sablier. Donc ça c'est le sablier. Ouais. Il est excellent. Bon, je sais pas si tu veux le mettre, mais tu peux toujours mettre mon quad. Attends, le quad. Ah ouais, putain, il était bien celui-là. Mon Yama. Ouais, il était bien foutu. Attends, je vais le tester. Et un jour, quand Dédé sera de retour, il pourra te montrer ses camions et tout ça. Ouais, ouais. Excellent. Terrible. J'ai même des attractions. Je regarde ce qui est culte, hein, parce que j'ai toutes les super créations de nos abonnés. Hein. Ah, ça c'est bon ça. C'est pas mal, hein. Ouais. Ouais, franchement, on a fait pas mal de bonnes créations, mais... Alors, je vais te montrer The Fusée, hein, puisque... Ouais. C'est quand même quelque chose qui t'a directement tapé à l'œil. Tu m'étonnes. Par contre, je me pose une question au niveau de la tour de contrôle. Ah. Avec cette espèce d'énorme bâtiment devant la gueule, il voit plus grand chose dans la tour. Non, du coup, je vais devoir l'agrandir. Ah, elle sera encore plus haute? Ouais. Bah, la CN Tower. Mais attends, hein, je vais devoir regarder. Ouais, il y a moyen. Il y aura du travail, mais il y a moyen. Putain, cette fusée de ouf. Ouais. Création personnelle ou pas ça? Non. Je suis pas capable de faire ça parce que le mec, il a créé ça, mais de façon... c'est le... Comment on appelle ça? Le Falcon Heavy. Bien, c'est balèze. La fameuse fusée de Elon Musk. Et elle est totalement fonctionnelle. C'est pour ça que je voulais absolument te la montrer, parce que... Si un jour je parviens à construire ça, on est les rois, quoi. Oh, il y aura, à mon avis, tu y arriverais, c'est juste que ça prend 3 jours, quoi. Ouais, au moins. Alors, ouais, t'es prêt? Dans la vie. Ouais. Alors c'est une fusée totalement autonome, hein. Ah ouais. 3, 2, 1. Ah ouais, c'est SpaceX. Oh putain, comment ça lag chez moi. Oh, c'est beau, hein. Ah ouais. Attends, recule. Et là, il y en a trop, là. Bah, on la voit plus, vieux. Ici, là-haut. Mmh.
3. Ouais. Il a fait un séquençage. Ouais. Putain. Ah ouais. Voilà. Un truc de ouf, hein. Putain. Attends, il y a l'autre truc qui va nous tomber sur la gueule. Voilà, faut non seulement marquer son nom, mais il faut aussi le dire. Ça lagouille un peu. Là. Putain. Quel truc de ouf. T'as, le mec qui a construit ça, t'es un génie, mec. Je sais pas quoi dire d'autre. À part que ta fusée, elle lag comme... Ouais, c'est trop balèze pour ce jeu. Je vais vite supprimer cette merde. Enfin, cette belle création. Putain. Non, c'est une tuerie, c'est juste que le jeu ne supporte pas autant de technologie, je crois. Ouais. Alors, il s'appelle NonoGT. En description, il a rien mis. Voilà, il a rien à mettre ? Non, il a juste mis Falcon Heavy, no mod, flight and return to home. Voilà. Passe de commentaires, moi je dis franchement chapeau. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à montrer comme construction. C'est joli. Ça devient vraiment un space center et un musée de qualité. Mais normalement. Je pense que ça va devenir quelque chose de très grand. Et éventuellement, je vais copier ce bâtiment là-bas pour en faire un musée des abonnés. C'est juste un A et un B. Un bâtiment, ouais. A, bâtiment B. Ouais. C'est cool. Ça peut le faire. Hein. J'espère que les gens vont apprécier l'évolution de cet endroit. Ouais. Ça aussi, vous pouvez faire. Si jamais vous avez l'âme d'un constructeur, vous pouvez chacun me proposer une ambulance avec le hashtag BBTV. Et on choisira quelques ambulances à mettre dans l'hôpital. Il n'y en avait pas déjà quand on avait fait la caserne de pompiers ? Je sais plus, franchement. Des camions de pompiers, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, des camions de pompiers, ça je me rappelle. Même que Matt Zeppel en avait fait un. Ah ouais. De mon père. De mon père. Donc voilà, je pense que c'est tout. Hein. C'est tout pour l'épisode 65. 64. 4. Ouais. Alright. Voilà. Ok, on espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et on vous donne rendez-vous. La prochaine fois, je sais pas, peut-être la semaine prochaine. Ouais, viens, on va jouer à Brickrigs. Ok, allez, ciao ciao.